T'en as marre d'avoir une voiture pas belle sur Rocket League et tu veux la changer? Alors n'hésite pas à te rendre sur RL Exchange, le partenaire de la chaîne. Que tu sois sur console ou PC, tu trouveras tous les items que tu veux et tu pourras enfin devenir le boss sur la map. De plus, la livraison est rapide et sécurisée, alors si tu fais tes achats là-bas, n'oublie pas d'entrer le petit coupon MOXIE pour bénéficier de 3% de réduction. Merci à tous ceux qui me soutiendront en espérant voir de belles voitures sur le terrain. Yo les gars, je crois que vous allez bien. Aujourd'hui, suite de la série 1v1, la dernière fois qu'on s'était laissé, on était tout simplement, je vais vérifier en même temps que vous, et bah 1781 points. Donc on est encore pas mal loin de Yann. En ce moment, on stagne pas mal quand même à Stellola. Donc vraiment, il va falloir qu'on essaye de tout gagner dans cet épisode. Comme ça, on fait pas de défaites bizarres, pas de trucs chelous et on grind. Donc voilà, vraiment, avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. On est très souvent live en ce moment, c'est dans la description. Et puis voilà, on démarre directement. C'est parti, 3 games de 1v1. Comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Oh non, ok, première game contre KV1. Là les gars, ça va être très compliqué. Première game contre KV1, vraiment très bon joueur. Je crois que c'est l'un des meilleurs joueurs brésiliens. Vraiment. Clairement, là, les. Ça prouve que les... tous les joueurs du monde entier, ils viennent en Europe, frérot, pour faire les Worlds. Dommage, ça commence mal. On n'a pas intérêt à faire de la merde. Il est vraiment très bon. Et en plus, ses kick-offs sont overcheatés. Vraiment, donc on va tout faire pour gagner. Par contre, c'est mon sang, donc je vais lui dire bonne chance pour les Worlds parce que c'est vraiment mon ref sûr. En plus, je l'ai déjà vu dans la vraie vie. Je le bump? Nice, let's go. Ah, dommage. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, vraiment. On va essayer de pas faire trop d'erreurs. Ah, je peux rien faire en vrai. Wesh, il prend un 52, bâtard! Par contre, c'est mon gars sûr, mais j'aimerais bien. C'est possible de gagner, t'as vu? Ce sera encore plus mon pote. C'est but ça? Dommage, parce que le flic était vraiment pas mal. Ok. Ah dommage, j'ai pas la démo. Vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai vraiment essayé de rester focus, mais il est super bon. En fait, c'est un joueur qui est super bon déjà avec 142 ping. Alors, quand tu lui donnes un bon ping, je te dis même pas en fait, ça doit... Je suis sûr que limite, ça doit le surprendre en vrai. Nice, let's go. Ok. Il va prendre le boost, ouais. Dans tous les cas, ça sert à rien que... Il a sauté au meilleur moment. Dommage, vas-y, j'aurais dû sauter en vrai, my bad. Eh, c'est serré en vrai. Hein. Ça s'annonce serré. Mais non, y a pas à faire ça. Vraiment. Vraiment là, je prends un but comme ça? Mais comment j'ai pu prendre un but sur ça? Vraiment, j'ai voulu le baiser et c'est moi, je me suis fait baiser. Nickel. J'ai pas mon flip reset par contre, ça c'est aberrant. Ça c'est vraiment très très grave. Ok. Ah vas-y, je peux rien faire. C'est horrible. Comment j'ai pas eu mon flip reset tout à l'heure par contre? N'importe quoi. Je peux rien faire. En fait là il se setup trop trop bien. Du coup vous savez que je peux pas le rush il y a instant en fait. C'est vraiment bien setup. Ok. Entre, il casse les couilles, frère. À back comme ça à chaque fois. C'est but? Non, mais je vous jure, c'est horrible, frère. Il fait que back. Vas-y, je prends des vieux buts. En fait, il fait que back, mais je suis obligé d'être agressif. Donc, je perds du temps, t'as vu. Si je suis pas agressif. Nice. Ok, ça va faire 3. Ok, en vrai, c'est encore possible de comeback, mais faut pas prendre de but, quoi. Ok, vas-y, je vais back tranquille. Ah, il casse les couilles vraiment. C'est mon ref, hein, mais il casse les couilles, c'est horrible. En fait, il joue comme un KSA, mais en même temps, il prend son temps, c'est trop bizarre. Vraiment, il joue comme un KSA, mais en même temps, des fois, il prend son temps. Genre, c'est pour ça que c'est trop imprévisible, vraiment. C'est but ça? Je suis obligé de trust le fait que ce soit pas dedans. My bad. Faut que je retombe contre lui après, faut que je prenne ma revanche, oh, vraiment. C'est pas fini, hein, mais... Il est vraiment bien dans la game, donc ça va être chaud. Ok. Wouah. En vrai, il est chaud de fou, on dirait qu'il joue mal, mais c'est juste qu'il joue grave bien.
Quoi? Par contre là c'est aberrant. Heureusement que c'est but, parce que frère, comment je l'ai pas démo? Et c'est pas encore perdu. Compliqué de comeback mais pas perdu. C'est n'importe quoi. Je vais quand même essayer de resserrer un petit peu le score, mais ouais, cette game est vraiment complexe, genre. Après, il joue bien, il n'y a pas de galère, mais juste... c'est imprévisible de fou, quoi. Ok. Vas-y, c'est perdu. J'espère juste que je vais retomber contre lui, à mon avis, il va rock you, je pense. Bien joué, en vrai, je prêt. Oula, je veux pas savoir combien de points j'ai perdu. Je veux même pas savoir. Juste go deuxième game, on verra une fois que je serai en game. Je veux même pas savoir. Je ne veux pas savoir. Ok, revanche, les gars. Revanche, ok. Autre KV1, les gars, ça va être chaud. Hein. Vraiment, il faut pas que je perde deux games d'affilée, par contre. Ça serait bien que j'arrive à bien me défendre sur celle-là. Mais en fait, il fait trop galérer, vraiment. Il est super chaud, donc... on va voir comment ça rend. La dernière fois que j'ai joué contre Newpo, je me suis fait taper première game. Ensuite, j'ai réussi un peu à rentrer dans sa tête. On va voir si ça va être la même chose là. Mais vraiment, go tout donner là. Go tout donner parce qu'il y a des points à se faire en plus du coup. Fake. Ouais, ça passe. Let's go. Ok, 1-0. Oh non, le kick-off de merde. Tu vois là, le wave dash, frérot, j'ai trébuché. C'est pas possible de faire ça. Oh oui, il a raté. Let's go. J'ai cru qu'il allait rush instant. Ça m'aurait pas choqué. Ok. En fait, il prend bien son temps. Du coup, c'est complexe, quoi. Nice, let's go. Non, genre, il s'est pas fait fake. Mais c'est une dinguerie, frère. J'ai raté la balle, mais je comprends pas comment il s'est pas fait fake. Genre, c'est une folie. Comment je l'ai pas démo? Ah, c'est une folie, wesh. Vas-y, focus. Pas grave. Et c'est une dinguerie, frère, par contre. Y'a rien qui me réussit contre ce mec. Je le passe, il me bump, frérot, et je pars en couille de fou. Nice. Au moins ça. Ah, voilà! Merci! Oh! Voilà, on prend l'avantage. Je vais plier. Nice. Nice, parfait ça. Let's go, 3-1. Ok, parfait. Non, belle save en vrai. Belle save. Faut pas que je laisse respirer en fait, faut vraiment... Et quoi? Oh frère, non, c'est n'importe quoi. Je le bump, ça me freine de fou, frérot. Faut m'expliquer dans quel monde. Mais pourquoi quand je le bump à chaque fois ça me freine? Il va me bump. Horrible. Il prenait le boost, il était mort là. Non, je savais qu'il allait me rush, mais j'ai pas eu le temps de relever la balle à temps. Je suis dans la merde de fou là. Ok, j'ai vraiment bien géré là pour le coup. Parfait. Il va pas pouvoir la mettre là, à mon avis. Il savait que j'étais dans le dos, hein, donc c'est pour ça que ça l'a. J'ai mieux joué. Ah, j'ai été meilleur, clairement. C'est le Moxiflick en fait. C'est le Moxiflick, c'est une revisite du Moxiflick. Par contre, le frérot, je l'aime bien, mais il faut que je gagne. Hein. Navré, mais. Bon, vas-y, je lui redonne un but parce que je suis fair play. Ok. Let's go, c'est but. Parfait, ça. Ok, 5-3. Vraiment, je peux pas la perdre. Faut pas que je la perde, vraiment. Ok. Ah, oh, vas-y, il gagne tous les kick-off. Il gagne tous les kick-off, les gars. Il s'est bavé dessus, je vais crier. Oh, la redescente, frérot.
Ok. Golemesque ce rush. Oh oui, mais oui, ça c'est une maîtrise. La situation, hein, c'est exceptionnel. Vas-y, viens. Putain, j'avais le bon réflexe en plus. Hein. What? Quoi? Ok, obligé de perdre du temps là un peu. Ah oui. Il s'est mangé le poteau, let's go 6-3. Nice, c'est gagné, ça fait plaisir. Deuxième game gagné. On prend combien de points? 5 points, ok, ça va. Bon, revanche du coup, j'ai pris ma revanche là parce que première game il m'a tabassé. Et là j'ai pris ma revanche, 1773. Il faut qu'on retombe contre lui parce que si on regagne, au moins on a rattrapé presque tous les points. Et puis bah ça fait plaisir parce que je peux pas me permettre de perdre trop de games. Je peux pas me permettre de perdre trop de games. Vas-y, last game du coup, hein. Last game les gars. Vas-y, dernière game les gars, on est contre Drops. Eh, on joue que contre des Brésiliens frérot, c'est... on est en 98 ou quoi? C'est une dinguerie, je crois que c'est un Brésilien lui aussi, non? Je vous ai dit les gars, tous les joueurs ils viennent en Europe. Bah oui, normal, il y a les Worlds, je suis un peu con. Vas-y, vas-y, go gagner par contre. J'ai gagné KV1 là, c'est son petit frère. Vraiment, go gagner comme ça, tu vois, je finis un peu en négatif, mais pas trop non plus. Si je perds là, ça va vraiment puer, mais... En ce moment, en vrai, je stagne pas mal, mais... Aussi, c'est pas facile, hein. On dirait que c'est facile, mais... Franchement, jouer, commenter, c'est dur. C'est dur, mais vas-y. Pas d'excuses, pas d'excuses. Donc là, le poteau, il m'a fait un rush, j'ai pas... Pas que j'ai pas capté, mais... Quoi? Mais quoi? Non, les Nemers qui font un DLC pour démolir les Brésiliens, non, non, vraiment. Et là, je démo. Ok, non, mais le jeu, il est bien fait. Il est bien fait, le jeu. Non, en fait, à chaque fois que je fais ça, quand je les bump, c'est parce qu'en fait, je veux sauter par-dessus eux. Et en fait, je les bump sans faire exprès. Non. En fait c'est ça, en fait à chaque fois je perds la première game parce que c'est la game de chauffe et ensuite je perds plus une game en fait. Faudrait que je me chauffe avant de faire une vidéo en fait. Ok. Alors là, mon pote. Alors là. Tu as nos risques, ça sert à rien de prendre des risques débiles. Il faut un putain de DLC. Non, c'est trop. Il faut un DLC, frère. Je le surdomine en plus. What? Non mais c'est une dinguerie. Ok. C'est une dinguerie ce qui m'arrive. Yes! Let's go. Voilà. C'était pas le meilleur flic mais ça passe. Vas-y, viens là. Je tente d'être agressif une fois dans une vie et en fait je suis puni. Vas-y, go pas tilt vraiment, go pas s'énerver. Donc c'est comme ça que je vais commencer à faire de la merde, bêtement. Ok. Il est en l'air? Magnifique, non, magnifique. Là, par contre, c'était beau, vraiment. Là, pour le coup, il faut le reconnaître que c'était beau. Là, joli but quand même. Maintenant, il faudrait quand même en prendre un petit peu d'avance. C'est un peu gênant d'avoir qu'un but d'avance. Mais what, comment ça passe pas? En vrai de vrai, il est chaud, hein. Genre, je prends pas mal de buts bizarres, mais il est pas trop mauvais. Par contre, c'est une dinguerie, frère.
Même quand je sais qu'il me rush et que je saute avant, il l'arrête quand même. C'est la première fois que ça m'arrive. Oh non, c'est pas dedans, tu vois, j'ai pas le droit au bonheur. C'est une preuve évidente. Attention à la démo quand même, parce que là, s'il me démo, il marque. Hein. Il doit avoir l'avantage du boost. C'est pas dedans. Putain, le sgeg, non! Ça joue à rien, frère. Si je la perds, vraiment, ça joue à rien. Vas-y, go pas perdre, les gars. J'ai la flemme là en plus. J'ai pas envie de remonter en off et tout. Parce que là, on perdrait trop de points là. Ok, moi je suis un truc stylé. Mais c'est quoi ce bordel? Il saute 5 ans avant et j'ai marqué, il me l'arrête quand même. Yes, let's go. Nice. Oh, j'allais crier, vraiment j'allais pousser un cri de dinosaure, frère. Vas-y, 25 secondes. Oh, le tir, yes, nickel. Let's go, c'est exactement ce qu'il fallait faire, là. Parfait, ça. Fouf. Là, j'ai le boost. Nice, parfait. Même pas prendre de risque. Voilà. En tout cas, c'est cool. Je prends pas de risque, là. Voilà. Let's go, GG. Ok, troisième game gagné, ça fait plaisir. Plus 2. Bon, plus 2, mais on évite le moins 15, c'est ça le principal en fait. Bon, au moins on est à 1775, on s'en sort bien. On est qu'en moins 6. Prochain épisode, vraiment, si on full win, on se mettra vraiment bien. On rattrapera bah, tous les points en fait. Mais franchement, j'en suis bien sorti. 2-1. A chaque fois, je finis en positif, mais toujours en négatif en termes de points. Du coup, voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Nous, on se retrouvera très très vite pour la suite de la série 1v1. D'ailleurs, j'ai pas mal de concepts aussi prévus avec des frérots comme Totoche, D7, etc. qui vont sortir très bientôt. Donc vraiment, soyez prêts, les potos. Et puis, comme je répète, on est encore sur la route du record du monde. Donc franchement, si jamais on gagne, on perd. Si on perd pas énormément, c'est pas forcément un problème. Mais voilà, dans tous les cas, on va rester très concentré pour la suite et on va tout simplement péter ce record du monde. Croyez-moi, tôt ou tard, on l'aura. C'est une certitude. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous et nous, on se retrouve très très vite. Ciao, ciao.